bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Brésil et de l'utilisation de la blockchain au Brésil. Ensuite, nous allons faire une excursion aux États-Unis avec la SEC qui attaque à nouveau le XRP. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, la SEC attaque le XRP à nouveau. Mais bien avant ça, parlons déjà du Brésil. Alors, le Brésil vient de se doter de la blockchain pour lancer sa carte nationale d'identification de la population brésilienne. Alors, c'est une innovation de taille que le Brésil vient de faire en utilisant la blockchain pour sécuriser les données des utilisateurs brésiliens. Alors, ils ont choisi un fournisseur qui est doté de cette technologie blockchain là pour sécuriser les données. Et donc, ils ont lancé cette carte nationale d'identité, et cette carte nationale d'identité est lancée directement à partir de la blockchain. Pourquoi à partir de la blockchain? Alors, selon le fournisseur, il explique que la blockchain permet la fiabilité des données et permet la sécurisation des données. Quand une information rentre dans la blockchain, alors il sera difficile de falsifier ces informations. Voilà pourquoi on choisit la blockchain pour pouvoir implémenter la carte nationale d'identité. Alors, ce qui est intéressant dans cette innovation qui a été choisie par le Brésil, alors il y a deux utilités que plusieurs pays même pourront même utiliser pour faire la même chose chez eux. Alors, sur cette carte nationale d'identité au niveau du Brésil, alors elle va servir à deux, même peut-être plusieurs autres choses après, mais deux entités sont représentées sur cette carte. C'est-à-dire, à partir de la carte nationale d'identité, elle vous représente en tant qu'individu citoyen du Brésil, mais il y a un numéro identifiant qui vous identifie par rapport à cela. Et ce même numéro identifiant est utilisé pour tout ce qui est règlement fiscal de l'individu. Voilà l'innovation qu'ils font. Alors, ils font deux en un à partir de cette carte. Dans la même carte d'identité, au lieu d'aller chercher encore pour dire l'individu, alors il doit avoir un compte fiscal. Alors, on te dit, cette carte-là, le numéro qui est là-dessus, alors ce numéro représente en même temps, ton numéro, pour les impôts au niveau du Brésil. Voilà l'innovation qui pourrait intéresser plusieurs pays et ça fait des économies encore pour l'État. Voilà des choses que le Brésil vient de mettre en place pour dire que le monde est en train d'aller résolument vers les crypto-monnaies et aujourd'hui utiliser la blockchain par derrière, alors par ricochet, alors c'est une façon même d'utiliser aussi la crypto-monnaie par la suite forcément. Alors si tu as utilisé la maman, un jour le fils va t'intéresser aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc aujourd'hui c'est la blockchain qu'on utilise, mais par la suite ne soyez pas étonnés que le Brésil adopte le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, à côté aussi comme le Salvador l'a fait. Ne soyez pas étonnés, ce sont des choses qui peuvent venir parce que déjà, avec la blockchain, ils vont savoir tout ce qui est impact des crypto-monnaies et ce que ça peut apporter au pays. Alors, ils ne vont pas cracher sur cela. Voilà une information vraiment assez importante qu'il fallait donner à notre communauté ici et que les gens puissent savoir ce que ça peut apporter. Voilà. Et donc, des situations assez intéressantes pour les utilisateurs. Une autre information importante, cette information, il s'agit maintenant de la SEC qui attaque encore le XRP en appel. Alors, cet appel, encore une fois de plus, a été refusé, rejeté par Torres. La juge Torres a refusé et disant que la SEC n'a pas fourni d'arguments assez solides pour faire appel. Et donc, la SEC repart frustrée, mais une date encore reste à faire pour un dernier procès. Alors, la SEC va revenir cette fois-ci, présenter les arguments, et par la suite, si ces arguments sont acceptés, ils pourront faire appel. Mais pour leur deuxième fois qu'ils ont, on va dire,
on rejette voilà, les dits de la SEC, voilà, mais qui ne veut pas lâcher l'affaire. Il veut tout faire pour faire du XRP un exemple afin de pouvoir attaquer les autres crypto-monnaies parce qu'à partir du XRP qui a gagné son combat face à la SEC, toutes les autres crypto-monnaies ont eu ce qu'on appelle jurisprudence. Alors ça pue sur ces données-là pour refuser toute attaque venant de la SEC et ça fragilise ainsi la SEC. Alors, dans la même foulée, on a le Sénat qui met en garde Gary Gensler qui dit que tout ce qu'il est en train de faire peut avoir des effets assez durables sur lui, alors qu'il fasse attention sur ce qu'il est en train de faire. Voilà que la fermeture est probable du gouvernement américain. Alors, si cela arrive encore, il sera difficile pour la SEC d'avoir un financement pour poursuivre tous ces procès qui coûtent voilà, vraiment le bras à la tête aux États-Unis. Et ça, il doit avoir des résultats. S'il n'a pas de résultats, alors un jour, ils vont le forcer à démissionner. Et ça serait une grande joie pour les crypto-enthousiastes. Et donc, pour l'heure, Gary lui-même dit que alors, le fait qu'ils n'ont pas de fonds pour pouvoir poursuivre les différentes plateformes de crypto, que ça, tout ça, ça le préoccupe. Malgré que ça le préoccupe, il ne lâche pas l'affaire et il se met toujours en train de chercher des poux dans les cheveux des cryptologues. Et donc, du coup, chaque fois, il est repoussé. Et donc, quand on a ce genre d'informations, alors le marché remonte, le marché essaie de respirer un temps soit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter du nouveau système merveilleux des crypto-monnaies. En ce qui concerne la formation au niveau d'Abidjan, la conférence se tiendra le 4 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth par rapport à vos différentes inscriptions. Après la conférence du 4, nous aurons la formation pratique au niveau toujours d'Abidjan, la bourse de travail de Trècheville. Alors, cette formation se fera le 16 décembre prochain à la bourse de travail. On rentrera en contact toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Ensuite, au niveau de la ville, voilà, de balnéaire de San Pedro, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph. Alors, cette formation se fera à partir du 8 et du 9 décembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph, son acolyte Sango, pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. Ensuite, en janvier, nous allons attaquer au niveau voilà, de Mans. Alors, ça serait la première formation du mois de, voilà, on va dire de l'année 2024. Ça serait à Mans. Alors, on va aller dans la période de Lamentin au niveau de Mans. Alors, cette formation se fera voilà, le 5 et le 6 janvier 2024. Au niveau de Mans. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours sa faveur aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.